Mais moi, je veux parler de la parade parce que c'est les œuvres de mon frère et plusieurs de ses œuvres que je connais. Mais ça, c'est tout nouveau. C'est une phase très nouvelle. C'est comme un site. C'est très, très... je sais pas, là, c'est comme ça joue dans l'esprit de fantaisie. Pour moi, c'est du nouveau. C'est quelque chose que j'aime. À la Santé de Rosier, oui, c'est vrai, c'est très, très bien. C'est un artiste que je vois depuis des années, en fait. Ça fait très longtemps qu'on se connaît parce qu'on était aussi sur les regroupements des artistes en art visuel, donc on a fait plein de choses ensemble et tout ça. Donc j'ai quand même pas mal suivi son travail. Et je trouve ça extraordinaire qu'il arrive à exposer dans une galerie des œuvres qui sont faites en cire. S'ils sont vendus, il fait le coulage après. Moi, j'ai toujours eu la manie de toujours faire couler mes bronzes au début. Ça, excusez-moi, mais ça coûte la peau des fesses. Donc, on ne peut pas toujours supporter ça. Mais lui, je trouve que c'était vraiment fantastique de la façon qu'il fait. C'est très, très, très bien organisé, très bien structuré. Et c'est plein de détails, magnifique. Donc, si c'est pas vendu, mais je veux dire, c'est sûr, c'est un travail qui est important, qui est tout ça, mais je veux dire, c'est qu'il évite beaucoup de coûts comme ça. Et lorsqu'il y a une vente, à ce moment-là, il sait qu'il va pouvoir assumer tout ce qui en suit. Quoi. Donc, je trouve ça extraordinaire. Je suis aussi comme mon ami. C'est vrai que sa conscience, au niveau du cosmos, au niveau de ça, c'est vraiment ça a toujours fait partie de son univers. Puis il continue dans ce sens-là. Puis c'est vrai qu'au niveau de la poésie, du travail sur papier et sculptural, il y a vraiment un lien partout avec tout ce mouvement cosmique qui se rejoint. Donc c'est extraordinaire. Bravo, Rosé. Bien, merci. Je vais aller chercher un verre de vin. La pièce que j'ai l'intention de faire, là, c'est une pièce dans laquelle un relief que je vais préparer, dans lequel je vais imprimer toutes sortes d'objets. J'appelle ça des tissus de civilisation. C'est pas si chaud, hein? Encore un peu.
c'est une bonne épaisseur. Ça a coulé direct dans... Mais toi, Résidie, comment ça a commencé tout ça, la sculpture? Bien, ça a commencé à 4 ans, 4 ans et demi, même avant. Mon père m'avait donné de la plasticine et puis des crayons. Moi, j'ai préféré la plasticine plutôt que les crayons. Quand j'étais jeune, j'ai été souvent malade. J'étais au lit, j'étais pas à l'école, alors je faisais, je sculptais des petits bonhommes, des petits bonhommes, des petits bonhommes. D'instinct, j'aimais beaucoup mieux ça que le dessin. Et puis même aujourd'hui, j'aime mieux modeler, je dessine pas souvent. À un moment donné, j'ai convaincu mes parents de me laisser aller aux Beaux-Arts à Montréal. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser plus au modelage puis à la sculpture que la peinture puis le dessin. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh, j'avais à peu près 17, je pense que c'est 18 ans. Donc, au Beaux-Arts, c'était plus la peinture qui t'intéressait au début? Non, on te fait faire de tout, là. Tu commences avec du dessin, tu fais du modelage, tu fais de la sculpture, la peinture libre ou bien expression technique avec modèle. Voilà. Après ça, tu t'orientes, puis tu choisis. Moi, dans mon cas, j'étais très intéressé aux plasticiens, alors j'ai suivi les plasticiens. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller en Californie. Je devais avoir à peu près 24-25 ans. Je me suis rendu à Los Angeles, puis là, j'avais un voisin qui faisait de la sculpture en cire, modelage en cire, puis qui faisait couler en bronze. J'avais jamais vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il m'a passé de la cire, puis j'ai fait quelques sculptures. Là, j'ai été bien intéressé à tout ce qui se passait, puis j'ai finalement déménagé, vécu dans la fonderie, puis j'ai été un apprenti. Et après ça, j'ai commencé à plus sérieusement faire de la sculpture.
Fait que, à Montréal, j'étais beaucoup dans la pensée plasticienne, mais rendu en Californie, dans la fonderie, j'ai complètement changé. Je suis tombé dans la figuration, et puis c'était complètement différent. Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Tu as un problème? Non, non, tout va bien. On est près des côtes? Non, pas du tout. Est-ce que tu vois les terres? On est à la Galerie Bernard et moi, je suis Mireille Lamarche, la directrice de la galerie. Et on a accueilli Rive du Genêt pour une exposition qui a eu lieu du 6 octobre au 7 novembre, qui est en ce moment présente, qu'on présente toujours. Rive du Genêt, dans cette exposition-ci, a montré plusieurs sculptures et aussi beaucoup de papiers reliefs, dont il nous a fait une démonstration la semaine dernière qui est assez intéressante parce que quand on voit ces papiers-là, on n'a pas idée exactement comment c'est réalisé. Mais il y a plusieurs étapes pour réaliser ces images, ces tableaux qui sont sculptures, les tableaux qui vont finalement avec sa sculpture. J'avais vu ces médailles, je pense qu'on retrouve à plusieurs places, tantôt dans les musées. J'ai trouvé ça intéressant comment il a développé son idée pour l'exposition en allant chercher de la couleur, en allant chercher cette idée-là de cosmos aussi. Parce que dans tout le travail de Rugy, on sent aussi que c'est quelque chose qui va de l'avant. Comme même la parade qu'il a faite, on bouge, on se déplace. Et puis le cosmos aussi, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement, qui n'a pas nécessairement de début-fin, qu'on ne comprend pas tout à fait au complet. Et puis, c'est un petit peu, dans les sculptures, c'est la même chose. On peut circuler autour, on les voit de plusieurs côtés. Puis, c'est comme tout un imaginaire, ça vient un peu du côté surréaliste, où est-ce que... comme un rêve, dans le sens on comprend certaines choses sans pouvoir exactement les définir. C'est vraiment pour moi des rêves, de la poésie, mes sculptures. Je travaille purement d'une façon aléatoire. Je place des fragments de toutes sortes de choses autour d'une pièce peut-être centrale. Et puis, certains des fragments sont moulés, sont des empreintes que je prends dans l'argile. Donc, là, je présente aussi toute une série de pièces qui sont comme tordues par le temps. Et j'ai des textes, j'ai des illustrations que j'ai peintes qui sont présentées comme ça, au lieu d'être sur une toile de 2 pouces d'épais, bien, c'est sur des feuilles qui peuvent être aussi placées dans des boîtes. Toute l'exposition que j'ai faite en ce moment, ça a été basé sur mes écrits. Je travaille depuis des années sur un texte qui a à voir avec le cosmos ou l'univers. Et puis j'ai décidé qu'il est temps de le finir puis de le publier, autrement dit, le sortir, parce que plus je regarde les textes scientifiques qui paraissent dans les revues de sciences, plus je me rends compte que ça s'approche de ce que j'essaie de dire dans mon texte. Le dernier, c'est « Est-ce que notre univers sort d'un trou noir? » Ça a été créé par un trou noir. Alors, ça touche beaucoup ce que j'essaie de dire.
montée de ton travail, c'est beaucoup des livres qu'on voit. Comme ce que sur le mur ici, c'est 5 pages d'un livre. Et puis, on retrouve aussi un livre physiquement que tu as monté, qui est le même texte qu'on retrouve d'ailleurs sur le mur. Mais aussi, les cadres encadrés, pour toi, c'est encore des livres. Ouais. Et puis donc, c'est comme une histoire que tu comptes. Tu nous comptes une histoire. Puis nous, on est témoins de cette histoire-là. Puis j'ai un peu l'impression aussi que même le fait que tu aies encadré ta parade avec des plexiglas, ça donne une idée d'être un peu archéologue, d'avoir quelque chose de très précieux. Puis justement, de voir un peuple, comment il fonctionne, l'histoire, comment elle est. Alors, ça nous distance, puis ça continue le récit, finalement, qu'on sent dans les livres. Quand je parle de ça, je me dis, j'ai l'impression que Rushdie, il nous ouvre son coffre d'enfant. C'est comme si, tu sais, les petits gars qui ont des coffres, puis ils ont tous des objets précieux dans ces coffres-là. Ouais. Mais quand je suis allée chez toi, puis j'ai vu tous les murs, les étagères avec tous ces objets-là, les objets que je collectionne depuis. J'ai pensé que j'étais dans un gros coffre d'enfant. Ouais, ouais. Il y a le côté aussi un peu fou, poétique, nostalgique que j'aime préserver à travers des objets qui sont moins récents. Moi, il y a eu un temps, j'ai fait des nus, des beaux nus. D'autres, c'était des plus expressionnistes. Mais à un moment donné, je me suis mis à faire des choses qui étaient plus... chercher de plus de signification avec certaines de mes sculptures. On trouve ça maintenant par tous les objets que je combine. Puis le texte, pour moi, m'intéresse autant que l'œuvre, oui, ouais. Tu sais. Alors, c'est mon côté poésie, je crois bien. Thank you.
sûr qu'il y a des experts potiers qui vont dire c'est pas comme ça qu'on fait ça. J'ai vu une grande exposition de stamps dernièrement à la Bibliothèque nationale. Tous des gens que presque je connais tous. À un moment donné, j'ai vu dans ma tête toute la technique, les grosses machines de faire le tir. Mais j'ai dit, moi, je fais ça à la main, c'est vrai. Je pose une grosse machine. Surtout ceux-là, là, comme sculpture par le relief, je dois les imprimer, donc c'est de l'impression, et puis je les peins, alors c'est de la peinture. Là, quelqu'un disait, ben, ça a l'air d'une installation. Ah, bon. La conscience de cet homme, c'est magnifique. Et il l'exprime d'une façon extraordinaire, autant dans ses œuvres classiques que dans sa poésie. Et moi, bravo, et j'adore ça, et j'en parle totalement. Les gens pensent que la microgravité, c'est seulement à l'extérieur, par exemple, de la planète Terre, lorsqu'on est dans un satellite. Mais l'endroit privilégié que tout le monde voudrait avoir comme zone de microgravité, c'est le centre de la planète Terre. Parce que quand vous êtes au centre, vous avez une gravité distribuée, et c'est une microgravité, et on pourrait construire là un laboratoire. Et si quelqu'un pouvait prendre possession du centre de la planète Terre, il ferait fortune.